calmera l'hémorragie. Il y a un pincement de la moelle épinière. Tu lui fais tout de suite une intraveineuse. Ginny, tu lui mets un gramme de Lipex. Allez, plus vite. Il va tenir le coup. Plus vite, plus vite. Il nous fait une fibrillation. Palette. 200 joules toutes les secondes. On le choque. Attention. C'est bon. C'est bon. Il revient, il revient. Ça y est, on a le coup. Pas mal, patron. Tu as bien fait de m'amener ici. Tiens le coup. Faut surtout pas abandonner. Oui, je sais. Je comprends pourquoi la moitié de mes patients ne font pas d'exercice. C'est tuant. Oh, séduisante. C'est comme si je me trouvais encore en bloc. Regarde tous ces bides. On pourrait faire fortune en liposuction. Il faut vraiment que je te présente ce mec. Ginny, tu crois qu'en ce moment, j'ai le temps de penser au mec? Il s'appelle Brad. C'est celui qui est en noir. T'es bête. Oui, je sais. Temps mort pour moi. 5 minutes. Je reviens. Dépêche-toi. Où t'étais passé? Je suis là 4 fois par semaine. Moi, j'ai pas de combine à organiser. J'ai enfin réussi à visiter un appart dans ton immeuble. Alors, ça se fera peut-être. Tu ne me présentes pas? Oh, pardon, c'est Sarah Gordon. Salut. C'est rien. Brad Cunningham. Vous savez, si vous n'arrêtez pas cette hyper-extension continuelle, vous risquez l'atteinte de la coiffe des rotateurs. Oui, je comprends pas bien, mais en tout cas, ça a l'air douloureux. Docteur Sarah Gordon. L'entreprise de Brad est dans la recherche médicale. Ah. Oui, certains de mes investisseurs s'intéressent de près au domaine pédiatrique, pour être exact. Oui. Ah oui? Oui, ils s'apprêtent à créer un camp d'été thérapeutique pour les enfants malades. En réalité, je ne fréquente pas beaucoup la communauté médicale et on a besoin d'une vraie contribution et de personnel si on veut que notre projet se réalise. Mais si j'osais, je dirais que grâce à vos relations, ça va. Eh bien, je connais des gens qui seraient peut-être intéressés par ce genre de projet. Ah oui? J'oublierai pas, d'accord, et je vous appellerai peut-être. Bon. Je dois y aller. J'ai promis aux enfants de rentrer de bonne heure. Ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Alors, un de ces jours. Réservez-moi déjà une chambre pour l'opération. Je comprends pas pourquoi il se bat pour sauver son mariage. Je connais la chanson. C'est quoi son problème? Lui et moi, on n'est pas liés à ce point, mais d'après ce que j'ai pu en déduire, je crois que sa femme le trompe. J'ai besoin de ce document pour demain matin. Le juge Hollings nous a donné jusqu'à 9h. Bon. Cheryl. Oui? On fait quoi pour le port de plaisance? J'ai le directeur pour qui m'assiège. Pour le moment, on attend. Fais-le patienter 8 jours. Mais il y en a pour plusieurs millions de dollars. Enfin, si on ne va pas plaider maintenant... Mais non, leur avocat n'est pas Ralph Nader. Il veut peut-être nous étouffer, mais il n'en a pas les moyens. Tu les as mieux accrochés que nous tous. Cheryl. Oui? Tenez le rapport que vous m'aviez demandé. Enfin. Merci beaucoup. Je vous en prie. On déjeune? Non, j'ai un rendez-vous et je ne tiens pas à le louper. Comment va Brad? Comme un guerrier. Il dit qu'il a un problème juridique au Texas. On peut t'aider? Je te rappelle qu'on parle de Brad. Sur ma sœur. Fin du match. On a bien joué. Approchez les champions. Allez, 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 venez près de votre père. Viens, toi, ouais, ouais. C'est pas bon de rester près des femmes aussi longtemps. Papa. Ça marche au sport. Passe, maman. Papa, est-ce que je ressemble à Jerry Rice, dis? T'as joué au baseball ce week-end, Booba? Oui. Alors, il faut pas jouer au football. Tu veux être le meilleur au baseball? Oui. Plus fort, j'ai rien entendu. Oui. Bien. Cheryl, si Philippe a de la fièvre, pourquoi il est dehors? J'en sais rien. Sans doute envie de jouer.
Allez, les enfants, on rentre. On va soigner nos blessures. On se dépêche. Pas trop. Allez. J'ai un travail de recherche important à faire pour demain sur Gengis Khan. Je sais à présent où faire mes recherches. Je vais me débrouiller pour que ce mariage fonctionne. T'entends? Ça fait 5 ans que j'entends ce refrain. Tu comprendras un jour. C'est si différent avec des enfants. Ta-da! Tu regardes? Tu en penses quoi? Nouvelle robe? Maman, tu es très belle. T'es d'accord, papa? Ouais, naturellement, bien sûr. Je me disais que si on part tout de suite, on évitera les embouteillages. Pourquoi? On va quelque part? Nous allons sur la côte, tu n'as pas oublié? Et ce que j'ai pas oublié, c'est que je t'ai dit que ce projet était annulé. Non. Tu n'as rien dit de tel. Oh, si, chérie, je te l'ai dit. Nous étions convenus de ce week-end il y a 3 semaines. Salut, maman. Nous devions aller sur la côte, rien que nous deux. Et je me rappelle que je t'ai dit, il y a maintenant 3 jours, que j'ai des investisseurs que je prends en charge ce week-end. Tu plaisantes, jamais je ne l'aurais oublié si tu me l'avais dit. Comme quoi, il y a toujours une première fois à toute chose. Marnie est là, Payla, tu veux... Tenez, désolé que Cheryl vous ait fait venir pour rien. C'est pas grave, ça fait rien. Je serai là lundi. Bonsoir. Bonsoir. Hey, maman, tu es le meilleur capitaine de tout le voisinage. T'as vu comment elle m'a lancé le ballon? Elle est précise, hein? Il faut te concentrer sur le baseball. Tu te rappelles? Allez, viens terminer ton repas. Jesse. Bonsoir. Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu es ma femme. Alors pourquoi tu ne me traites pas comme une femme? Je ne sais jamais sur quel pied danser avec toi. Fais pas attention. Excuse-moi. Il se trouve que notre fameux projet de construction à Houston est enterré. Brad, il y a beaucoup plus important que Houston. Ici, l'enjeu, c'est notre famille, nos enfants. Est-ce que tu réalises, chérie? Mes investisseurs ont tout perdu. Ils ont mis 20 millions de dollars dans cette tour et ils sont ruinés. Alors ils disent que c'est ma faute, tu vois. J'ai jamais encaissé un tel coup. C'est comme si je m'enfonçais tout doucement dans un puits. Tu as ta société de vente d'organes? Ah, là aussi, ça flanche. En réalité, tout flanche plus ou moins. Ce week-end, je crois avoir une chance avec ces nouveaux investisseurs. Ouais, t'as raison. T'as raison, notre mariage flanche lui aussi. Vraiment, je regrette. Je t'ai apporté ça. Tu mérites beaucoup mieux, je sais. J'en suis. Il est magnifique. Mets-le sur toi. Apprennent tous les deux à s'aimer. Que tout redevienne comme avant. Tu m'aimais tant avant. Mais je t'aime toujours. Je t'aime, chérie.
Elle saigne, chant. Tous en vain. Ah, il y a une hémorragie, chant. Chant. Résus au négatif. Deux chants, un clamp. Deux. Elle saigne encore. Trois. Aspirateur. Quatre. Allez me chercher des filots. Oh, j'y vois rien. Écarteur. Attention au plateau. Bien. Clamp, plus vite, plus vite. De la gaz. Allez. Docteur. Reviens, Suzy, reviens. Sarah. Un petit effort. Allez, Suzy. Reviens, bats-toi, bats-toi. Sarah. Reviens, reviens, reviens. Reviens. Sarah. Sarah. J'ai un message pour vous, on vous attend à la cafétéria. Bonjour. Brad. Oui, j'ai téléphoné, vous vous rappelez, les investisseurs du camp d'enfants. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. J'ai pensé que ça serait mieux si je vous apportais le prospectus du camp. Je veux tout de suite que vous sachiez que le seul souci de mes investisseurs, c'est de répondre aux besoins impérieux de tous ces enfants diminués. Nous voulons que ces gamins puissent se baigner, courir, jouer au bal. J'ai l'impression que je tombe mal. Cette gosse de 6 ans, je l'ai ratée. Je suis sincèrement désolé. Je sens que le moment est mal choisi. Si vous voulez, je reviendrai plus tard. Eh bien, je finis à 8 heures. Si ça ne vous gêne pas trop, alors repassez, disons, vers 8h30. Comptez sur moi. Bien. Y a-t-il une chose que je puisse faire? Non. Merci. C'est une très mauvaise journée. Navré pour toi. Je me remonte le moral en pensant à toi. Dis-moi, pourquoi on n'irait pas ce soir au White Eagle sur Russell Avenue? Pas là, mon chéri, je t'en prie. Allons ailleurs, si, tu sais. Que tu mettes une de tes mini-jupes sexy. Tu coiffes tes cheveux comme j'aime. Brad, je préfère aller ailleurs. Mon cœur, on s'amuse pas souvent. Fais-le pour nous. On dansera toute la nuit, on boira plein de champagne, puis on fera un barbecue comme avant. On reparlera de notre première rencontre. Il faut qu'on ressoude notre couple. C'est à ce moment-là, je peux rien, c'est... Pour nos garçons. Sarah. Ah, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éblouissante. Cette couleur s'harmonise à celle de vos yeux. Mon père dit toujours que les yeux dévoilent tous les secrets qu'on ne dit jamais à haute voix. Il est plein de bon sens. Il est peut-être préférable que je conduise. Vous êtes d'accord? Vous serez plus en sécurité avec moi. Ouais, je connais bien ça. Ouais. L'air de la campagne derrière le pied.
connaissez cet air? Oui, j'adore. Moi aussi, j'adore Satie. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, j'aurais tout fait pour jouer du piano comme Satie. Vous avez étudié le piano? Non, mes parents étaient fauchés. Et votre femme, que fait-elle? Cheryl est juriste. Oh. Elle est incroyable. Devant un tribunal, elle est très forte, elle est intelligente, c'est une battante. Si quelqu'un retombe sur ses pieds, c'est toujours elle. Elle les réduit tous au silence. Est-ce qu'elle travaille ce soir? Ça, j'en sais rien. Et où sont vos enfants? Oh, eh bien, chaque fois que Cheryl, chaque fois qu'elle sort, ma belle-sœur et... Mes fils sont fous de Suzanne, alors elle me remplace. Vous êtes mariée? J'ai été mariée. Une fois. Quand une femme a du succès, ça occasionne chez certains hommes des comportements bizarres. Vous savez ce que je crois? Je crois que votre ex est fou allié. Quand on a la chance d'épouser la beauté et l'intelligence réunies, on s'y accroche. Un soda, s'il vous plaît. Salut, mon cœur. Je ne vous connais pas, j'attends mon mari. Mon cœur, toutes les femmes attendent leur mari. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je m'assure de quelque chose. Mais qu'y a-t-il? Répondez-moi. J'espère que je me trompe, mais... Voir ce qu'on fait ici. Oh mon Dieu, non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, au bar. C'est ma femme, vous voyez? Ça n'en finira jamais. Jamais. Ça n'en finira jamais. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai le coup. Tu as la... Arrêtez! Hey, t'es pas dans cet état-là, sois cool. Putain! Pas les pattes, ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais rien du tout! J'ai sans doute passé le meilleur moment de toute ma vie. En particulier, j'ai adoré la façon dont certains hommes assez puants m'ont tripoté. Mais je t'ai téléphoné, j'ai laissé un message. C'est bon, je n'ai eu aucun coup de fil. Tu m'as laissé toute seule alors qu'on avait rendez-vous. Ah non, non. Chérie, j'ai réfléchi à tes propos et j'ai trouvé que tu avais raison. Je t'ai donc laissé un message pour te donner rendez-vous chez Jake. Chérie, crois-moi, je te dis la vérité. Arrête, tu me fais mourir de rire. Je ne te permets pas de me traiter de menteur. Tu entends? Tu as bien entendu? Oui. Mais pourquoi tu n'es pas venu au bar lorsque tu as vu que je n'arrivais pas? Parce que j'ai cru que tu avais eu le message que je t'ai laissé. Je suis allé chez Jake, Cheryl, je t'y ai attendu. Tiens, je vais te le prouver. Il a fallu que je passe prendre la babysitter. J'ai dû faire monter les enfants dans leur chambre. Je n'ai pas eu le temps d'écouter les messages. Et moi, je t'ai attendu pendant une heure.
Bonsoir. Demande-lui, c'est le barman. Il s'appelle Allô Larry. Allô? Allô, je vous écoute? Allez, demande-lui. Allô? Y a quelqu'un? J'ai eu si peur, tous ces types. Ils tournaient sans arrêt autour de moi. Ils me disaient des trucs dégueulasses. Oh, quelle horreur. Je me suis sentie souillée, salie. Oh, mon Dieu. Excuse-moi pour cette malheureuse méprise. Mon cœur, c'est ma faute. Chérie, excuse-moi pour ce soir. Chérie. Je suis désolé. Sincèrement. Je te revaudrai ça, promis. Je regrette. Je t'en fais la promesse. Je réparerai cette soirée. Chut. Je t'aime, chérie. Je t'aime, mon bébé. Oh, je t'aime. Je me rattraperai, ma chérie. Tu verras, je t'en fais la promesse. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chut, chut. Attends. Je crois que j'ai entendu un bruit. Chut, Brad. Chut. On ne perd pas des millions de dollars appartenant à des gens tout en espérant qu'ils vous fichent la paix. Mais enfin, ils connaissaient les risques encourus en signant les contrats. C'est la loi élémentaire des affaires. Non seulement c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu ne connais pas le caractère des Texans. Pour eux, il n'y a pas de loi élémentaire. Ils ont la leur. Mais avec quel bandit fais-tu des affaires? Ces gens-là sont très dangereux. Je monte voir si tout va bien. J'arrive! Oh. Bonjour. Je suis rarement ici, alors comment avez-vous su que... Une intuition. Bien entré, je vous en prie. Que ces 6 derniers mois, j'ai été débordée. J'ai eu très peu de temps à moi. Ajoutez à cela une indécision permanente. Mais maintenant, je pense qu'un plus grand appartement me conviendrait mieux. C'est joli. Au fait, que s'est-il passé avec Cheryl hier soir? Quand on est humilié dans des rapports, est-ce qu'il est normal d'avoir envie d'y mettre un terme? Quand on est constamment bafoué? En ce qui me concerne, je me rappelle seulement le désir de me protéger. Et je tenais à vous remercier pour cette soirée. Il y a bien longtemps que personne ne m'avait écouté aussi attentivement. Je sais, en général, on offre des fleurs ou des chocolats. C'est vous qui l'avez prise? Oui, la semaine dernière devant l'hôpital. Elle est très belle, merci. Merci à vous. Oh, c'est beaucoup trop. Comme les enfants, j'adore les surprises. Oh.
soit une excellente idée. Chez moi, ça n'est pas apprécié outre mesure. C'est très délicat pour moi d'accepter ce cadeau. Vous êtes toujours marié. Très bien. Alors portez-la pour celui à qui vous pensez tous les jours. Brad. Je n'ai encore personne à qui penser. Vous m'avez gagné ce procès. On ne réussit pas toujours aussi facilement. En tout cas, bravo, vous méritiez de gagner. Merci. Au revoir. Et on se revoit au ranch. Très bien. Peter, je vous invite à déjeuner. Vous avez été abject. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'adopter ce genre de conduite? Je crois que c'est parce que mon pénis s'est transformé en aime. Pauvre con. Salut. Je t'y reprends, Mike. La dernière fois, quand je t'ai botté les fesses, toi, en tout cas, tu m'en as pas fait une histoire. Erreur, cow-boy. C'est moi qui te les ai bottées. Hein? C'est curieux, je me rappelle pas du tout ça. Oh, dis donc, comment va Machine, celle avec les dents blanches qui travaille à la télé du coin? Ah, ça faisait longtemps, là que tu te remets à jouer les grandes sœurs. Je fais partie de celles qui arrivent encore à te supporter. Ah ben, puisqu'on parle d'elle, Croblant et moi, on a préféré se séparer. Elle voulait de la culture, disait-elle, alors je l'ai abonnée à une revue agricole. Enfin. Alors, comment vont tes nains, tes garçons, excuse-moi. Amusant. Et comment va Machin? Oh, Mike. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai besoin d'un ami sincère pour m'écouter de temps à autre. Il faut que j'y aille. Ouais, bon, alors... Oui, je sais, à un de ces quatre. Ouais. Eh, attends, si on partait en voyage ou faire du rafting... Attends, non, non, j'ai mieux. On irait jeter des cailloux au milieu d'un lac. Oh, je préfère un truc moins drôle. Salut. Salut. Oh, ma... Marie, Brad, Marie. On ne devrait pas. Tais-toi, un homme. Brad, Brad, les enfants. Je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas à avoir peur. Il n'y a aucun risque. Détends-toi, Marnie. Ouais. Brad. Je suis chevalier masqué. Mais non, c'est moi. Non, faut t'es le brigand. Malheureusement, les résultats ne seront pas là avant mercredi. Quoi que je puisse savoir, est-ce que vous allez pouvoir me soigner? Bon, Cheryl, votre infection est une maladie vénérienne assez sérieuse. Nous allons tout de suite commencer un traitement. Mais qu'est-ce que tu fais? Cheryl! Hé, hey, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors qui est-ce, Brad, hein? Qui est celle avec qui tu vas fricoter? Bien sûr, j'imagine que tu ne connais pas son nom. Attends, oh, doucement. De quoi est-ce que tu es en train de parler, au juste? De cette sale cochonnerie qu'elle t'a refilée, pourriture! Et elle n'est pas la toute première, hein? Tu fais ça depuis des années, avoue-le-t-on! Combien, Brad? Tu le sais au moins, combien de maîtresses tu as eues? Des centaines. Et leur corps avait un goût, une odeur et une beauté nettement supérieure au tien en tout point. Tu viens de me tromper pour la dernière fois. Tu vas tout de suite sortir de cette maison et n'y reviens jamais. Et je t'interdis d'approcher les garçons. Ah non, je te promets que tu n'auras pas mes fils. Ce sont les miens. N'oublie jamais ça. Les miens.
Les enfants, j'ai de mauvaises nouvelles. Papa va s'en aller ailleurs pendant un bout de temps. Je ne veux pas que tu les approches, Brad. Maman a fait une chose horrible, vraiment. Tu n'es qu'un sale menteur. Je t'empêcherai de les empoisonner avec tes mensonges, salaud. Vous voyez ce que ma mère est devenue? Folle alliée, hystérique, stupide. Disparais! Éloigne-toi d'eux! Votre papa vous aime. Je te défends de les toucher, tu entends? Je reviendrai vous chercher. Et je vous sauverai de ça. Cheryl, le verdict n'est pas excellent. J'ai pas envie de l'entendre, Barbara. Je t'en prie, aucune envie. Le juge a décidé de t'attribuer la garde des enfants. Ne laisse pas faire ça, je t'en prie. À partir de ce dimanche, 19h, jusqu'au vendredi matin, 7h. Leur père est capable de tout, je t'assure. On n'obtiendra pas autre chose. Barbara, je suis morte de peur. Si jamais il les prend chaque week-end, je serai jamais sûre qu'il me les ramène. Tu ne connais pas Brad. Il peut décider de disparaître avec les garçons. Si c'est le cas, alors il aura bien des déboires. Ce sont mes enfants qui auraient les pires déboires. Je refuse, je me fiche de ce que le juge a dit. Tu es trop intelligente pour refuser. Tu sais fort bien, et je sais également, que si tu réussis à tout faire foirer, il obtiendra leur garde définitive. C'est à moi d'avoir leur garde. Alors laisse-lui gagner la bataille et toi, gagne-moi cette guerre. C'est dans là-dedans qu'il m'a impliqué, c'est ça. Dans une guerre. Votre père, on a conclu un arrangement. Nous allons chacun partager notre temps avec vous parce que nous vous aimons beaucoup. Mais toi, ça va aller? Bien sûr, et même très bien. C'est chouette, vous allez bien vous amuser chez papa. Tu me chatouilles. Dépêchez-vous, il vous attend. Bonjour, papa. Oh! Allez, on y va, grimper. Allez, chérie. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je suis là parce que je suis la grand-mère, vous vous rappelez? Et puisque vous n'êtes plus là, j'ai enfin la chance de voir mes petits-fils. Bon, il est temps de partir. Allez, grimpez. On y va, papa. Allez. Je le prends. Vous savez ce qu'on va faire quand vous sortirez de l'école de verdure? Je vais vous emmener voir mon nouvel appartement. Le toit de l'immeuble est si haut qu'on peut... Non, non, c'est pas à toi, c'est à moi de le faire. Cool. Michael, attache ta ceinture. On y va, les enfants. C'est parti. J'arrive pas à le croire. Pourquoi ai-je toujours refusé de le voir tel qu'il est? Notre appartement est au dernier étage. C'est le 19e. Qu'est-ce que vous en dites? Waouh! Cool! Et on prend l'ascenseur pour aller là-haut. C'est ici, les enfants. On y est. On est au moins à 10 km de haut. Non, mais peut-être bien à 3. Tu sais quoi, Michael? Si tu craches depuis le balcon sur quelqu'un, tu peux le tuer. T'es fou? C'est beau d'ici, hein? Ah ouais. Regarde en bas. Ah, je veux vous présenter quelqu'un. Salut. C'est Sarah, une amie. Il y a très très longtemps que j'entends parler de vous. Ah oui, pourquoi? Sarah est docteur. Un jour, j'ai vomi à table. Moi aussi. Ah oui, t'as vomi sur ta pizza? Tu sais, c'est très curieux ce que tu viens de dire, parce qu'il se trouve justement que... Oh, waouh! Je te promets que je vais pas vomir sur celle-là. Oh, c'est formidable. Tu sais, je me sens mieux. Allez, venez. Elle vous plaît? Oh oui. C'est vrai? Tu veux de la pizza? Quoi, ouais. Deux? Alors, on y va. Tu crois que tu vas arriver à tout manger? Non, laisse, maman, je le ferai. Très bien. Oh, j'ai pratiquement tout acheté à Brad. Sa maudite moto, son hors-bord, en fait, tous ses jouets. J'ai payé pour tout, sauf pour les 3 pizzerias où il m'a traîné en 3 ans. Mais il a jamais espéré pour ce maudit collier.
Où est-il? C'est pas vrai, il a pas osé. Sale pourri, espèce de pourri. Tes enfants sont adorables. Ils ont tous une personnalité originale. Je les trouve bourrés d'humour et brillants. J'avoue que je saisis assez mal Cheryl par rapport à... Ah, tu sais, j'aimerais aussi comprendre. La fois où on m'a présenté Cheryl, il a fallu que je me fasse violence. J'étais très tendu, je me trouvais pas assez digne d'elle. On était bien, tous les deux. Je croyais qu'elle représentait tout ce que j'avais toujours voulu. Tout ce que je voulais, moi, c'était faire l'école de médecine. Point à la ligne. J'ai sacrifié tout le reste. Et... j'ai réussi. J'ai obtenu ce que je voulais. Et... je suis tombée amoureuse d'Alan. Mmh. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah oui, lui, je le veux. Et j'ai tout fait avec sincérité pour qu'entre nous, ça marche. Ce n'est hélas pas toujours suffisant. On ne peut pas s'adapter indéfiniment aux perversions de l'autre. Tu voulais des enfants. Il y a certaines petites choses que même la médecine moderne n'arrive pas à arranger. C'est ainsi. Tu aurais été une maman merveilleuse. Si nous nous étions rencontrés plus tôt, tout aurait été si différent. Je ne pense pas... je ne sais pas si je dois accepter ce cadeau. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Si longtemps, la seule chose qui me comblait était mes garçons. Et maintenant, il y a toi. Tiens, surveille ton frère. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir jouer mon fils. Tu n'as aucun droit de te trouver là, c'est moi qui les garde en ce moment. J'ai le droit de venir le voir jouer au baseball. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manques d'air? On en meurt, tu sais. Oui, une minute. Voilà, voilà. Oui, j'arrive. Ça tombe bien, j'ai horreur de manger seul. Oh, tiens, Cheryl. J'ai besoin qu'on m'aide. Bien sûr. Et il l'a pris d'entrée. Le dîner est presque prêt. Attends-moi une seconde, il faut que j'aille vérifier que ma bouillabaisse n'accroche pas. Je vais la touiller un peu. Mike, je veux que tu me rédiges un nouveau testament. Seulement cette fois sans Brad dessus. Tu te souviens qu'on est amis uniquement quand t'as besoin de moi, hein? Parfait.
Attends, chérie, attends, excuse-moi. Je suis simplement agacé parce que je t'avais parlé de ce type quand tu voulais l'épouser. Et tu n'en as pas tenu compte. C'est tout. Salut, Marc. Salut, Marc. Je reconnais que j'aurais dû t'écouter. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu veux qu'on s'assoie pour parler? Ça dépend de combien de temps tu disposes. J'ai tout le temps que tu veux. Bien. Bonsoir les enfants. Bonsoir papa. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont si mignons. Et j'avoue que je suis inquiète pour toi. Et aussi pour eux. À cause du verdict que rendra le juge. Rien n'est encore joué. C'est toi qui as quitté le domicile conjugal. Allô? Je reviens à la maison, le week-end prochain. Non, pas question, tu n'as pas le droit. Mais ouais, tu sais parfaitement bien ce qu'un parent aimant peut faire ou non, c'est toi la juriste. À dans 2 jours. Dormir dans la chambre d'amis. Suzanne, je veux que tu t'en ailles tout de suite. Non, si, le feu. Non, je ne vais pas. C'est à moi seule de prendre mes responsabilités. Je réussirai à. Ça ira, ne te fais pas de soucis. Maintenant, va-t'en. Dès lundi, j'aurai une ordonnance judiciaire limitant ses faits et gestes. Tu en es certaine? Absolument. Allez, va-t'en. D'accord. Attends! Attends, Suzanne, ton parapluie! Merci. Je t'assure, tout va bien se passer. Appelle-moi tout à l'heure. Sous la pluie. C'est exprès que tu m'as laissé dehors? Non, maman, je t'assure. Alors pourquoi j'y suis encore, hein? On t'a pas entendu, ça maman. Ça fait au moins 5 minutes que je hurle comme une folle et que je frappe à la porte. Faut pas te fâcher après papa. Il nous apprenait comment on vit, Ricard. Est-ce que tu comptes passer tout ce week-end silencieux? C'est encore un de tes caprices. C'est ton nouveau jeu.
fâche pas, c'est papa qui m'a dit de le faire pour rigoler. Excuse-moi. Désolée, maman. C'est rien, chérie. Parfois, ton papa confond ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Tu sais où il est? Je ne sais pas. Oh, c'est magnifique. Ouais, elle est très jolie, la cascade. Encore une fois, tu me donnes des frissons. Crois que j'ai bien fait de repartir chez moi pour un week-end? Oui. Ça ne va pas changer la vie de Cheryl, mais en tout cas, le juge saura que tu es véritablement un bon père. C'est la seule chose importante. Non. C'est toi la chose importante. D'années. Là-haut, il y a mon père et sa deuxième femme. Ils ont fait construire. Et j'ai également deux sœurs de l'autre côté de cet état. Vous êtes liés tous les trois? On se voit de temps en temps. Parle-moi de ta mère. Elle est morte. Tu pourrais me parler autrement quand même. Allez, viens, Michael! Michael, Philippe, doucement, les enfants, je suis de repos aujourd'hui. Oh, les petits moments. Avez-vous une spécialité? La chirurgie. Vous êtes riche? Disons que je m'en sors, je vis bien. Brad adore que ses femmes soient séduisantes et riches. Ou plutôt, riches et séduisantes. Allez, venez, on va s'exercer au fusil. Tu sais que tu fais un plaisir fou à Jessie. Tu avais son âge quand je t'ai appris à tirer. C'est une sorte de droit de passage. Tous les garçons Cunningham doivent savoir tirer au fusil. Ah, ma vieille 22 longs rifles. Quel souvenir. Vous ne trouvez pas le thé trop sucré? Marie le fait d'une manière infecte. On dirait qu'on boit du miel. C'était quand? Ça va. On en a à peu près pour une heure. On y va? Vous l'aiderez à préparer le souper. Allez, papa. Tu viens, Michael? Oui, j'arrive. Tu vois, Bouba, ça, c'est un fusil 22 longs rifles. Les femmes sont reléguées à la dernière place sur sa liste. Brad est étrange aujourd'hui. Sa mère est morte il y a longtemps? Morte? Qui vous a mis cette idée en tête? Elle est encore là? Jessie, approche. Approche, regarde.
Allez, le doigt sur la détente. Vas-y, maintenant, feu. Ouais, il y a un grand tireur. Je l'ai eu, je l'ai eu. Il a ton œil. Ouais. Pas mal, hein? Ah non. Attends, de la paille. Ton père est un tantinet revêche et encore, je suis gentille. Il a eu une existence difficile. Hé, hey, Booba! Tiens, prends-le. Allez, viens, mon cœur. Merci. Attention à toi. Au revoir, papa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À bientôt. Hé, hey, mets pas tes pieds sur moi. J'ai pas fait exprès. Donne-moi le crayon jaune. Je peux savoir ce qui se passe, Brad. C'est du fusil, là. C'est quoi? Protection. De mes garçons, de toi et de moi. Une balle dans la tête et... Oh, je t'en prie, arrête, sois pas inquiète, t'as été élevé dans une ferme, t'as dû avoir des oncles et des frères qui chassaient. Allez, les enfants, bouclez vos ceintures. Tu m'as dit que ta mère était morte, pourquoi? Pour moi, elle l'est. Ah. On y est, les garçons, on est arrivés. Tout le monde descend. Allez, allez, tout le monde descend. Allez. Dans tes bras. Viens, mon chéri. Descends. Lâche-toi, Jessie. J'arrive. Hé, t'es vraiment un bon chasseur. Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, papa. Allez, montez vous coucher, j'arrive. Bonsoir, Sarah. Rentrez vite, les garçons. Jessie, il y a plein d'étoiles. J'espère qu'elle va pas craquer parce que j'ai 10 minutes de retard. Maman, on est là. Oh, vous m'avez tant manqué. J'aimerais la rencontrer. Une fois que le divorce sera prononcé, je n'y verrai aucun inconvénient. Mais pour l'instant, nul ne peut prédire quel comportement elle va avoir. Et je ne veux pas exposer les enfants à un tel risque, tu comprends? D'accord, je vais lui dire. Il y a une surprise pour chacun de vous sur votre lit. Je vous rejoins. À dans 5 jours. Bonsoir, papa. On t'aime. Lorsque tu me ramènes les enfants, je ne veux pas que tu pénètres dans la maison. On a quand même eu du bon temps dans cette maison, tu trouves pas? Arrête et fiche le camp! Nos dîners aux chandelles, nos petits jeux avec les garçons, bien les nôtres. Plus jamais, non jamais, tu ne toucheras mon corps. Plus jamais! Je crois que tu t'égares, là. Tant qu'on n'est pas divorcé, tu es ma femme. Jamais dans cette maison. Est-ce que tu as compris? Jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, comment oses-tu amener cette putain dans ma maison? C'est un amateur, ce mec. Ça se voit. Qu'est-ce qui se passe? On a reçu ces fax très tôt ce matin. Presque tous les avocats les ont reçus. Brad a appelé ma femme. Il lui a dit que toi et moi avions une aventure. Ça l'a rendue si folle qu'elle est partie prendre la batte de baseball des enfants. Je sais pas quoi dire. Ne dis rien. Parce que Brad m'a aussi téléphoné. Et là, j'ai explosé. Viens dans mes bras. J'ai balancé le téléphone à travers le bureau. Regarde. Plus rien. Tu as devant toi une sorte de groupe de soutien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Cheryl, tu nous le fais savoir. C'est valable pour moi aussi. Merci.
appelez Anderson, dites-lui que j'ai le budget, qu'il est colossal et qu'il va devoir passer par moi, etc. Oui, Cunningham. Salut, Booba. Alors, comment se porte ton arnaque texane? Vous êtes arrivé à un accord? Je parie que l'avocat qui défend les intérêts de ta bande de financiers pourris se ferait une joie de consulter ton dossier fiscal. Sans parler du fisc, naturellement. Depuis quand n'as-tu pas payé tes impôts, bâtonnet? Fais pas ça, Cheryl. Oh mon Dieu, trop tard, trésor. La technologie moderne est étonnante. Tu viens de commettre une grave erreur. Heureusement gêné que vous ayez été contraint de vous déplacer, alors qu'il s'agit seulement d'une erreur. Et je crois que Cheryl a oublié que nous nous étions mis d'accord pour que je passe prendre la voiture. Non, tu l'as volée, Brad. Voyons, Cheryl, on avait dit qu'on la ferait réparer, on était d'accord. Oh. On ne voit plus très bien les traces sur la carrosserie, mais je crois que le tyran a également subi un choc important. Voyons, on s'en sert pour transporter nos enfants. C'est pour ça qu'on veut la garder dans un état impeccable. Pour l'instant, ils sont à la maison avec la babysitter qui doit probablement s'inquiéter parce que je ne suis pas rentrée. Et je suis en retard à cause d'une autre de tes plaisanteries imbéciles. Je t'ai laissé un message tout à l'heure sur ton répondeur te disant que je passais prendre la voiture. Est-ce que tu as écouté tes messages? Elle écoute jamais son répondeur. Tu l'as écouté? Chérie... Chérie. Ce véhicule est immatriculé à vos deux noms, madame. C'est lui qui l'a volé! Ah, ces histoires. Oui, bien sûr, mais rien d'autre. Bridge. Je vous envoie une dépanneuse tout de suite. Pouvez-vous me mettre en contact avec mon numéro, s'il vous plaît? C'est le 980-92-29. Désolée, la ligne a dû être coupée. Il n'y a aucune tonalité. Aucune tonalité? Merci, madame. Marnie? Tu es là? Mardi!
surprise. Ça suffit, on a assez ri. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on est là? Regarde, regarde bien qui va t'ouvrir la porte. Tu vois? C'est un jeune couple qui vient tout juste d'emménager. Elle, c'est un chirurgien très connu et lui, c'est un investisseur. C'est Brad et Sarah Cunningham. Regarde les enfants dans le jardin. Les garçons de Sarah et Brad. Et j'espère qu'ils vivront ici pour toujours. Tu ne penses pas qu'on devrait attendre jusqu'à ce que le divorce soit prononcé? Notre avenir, c'est aujourd'hui, Sarah. À ton avis, est-ce que je dois demander à ces gens s'ils acceptent de nous vendre la maison? Oui ou non? Oui. Barbara, on m'attend au tribunal. Je suis en retard. Je commence à préparer une liste de témoins pour le divorce. Oh non, Cheryl, pourquoi veux-tu affronter cette tempête? Tu n'as pas oublié quand on parlait de perdre une bataille exprès pour gagner une guerre? Enfin, Cheryl, sois sérieuse. Je ne veux pas perdre la bataille. Aucun partage de garde, je la veux entière. Et la fin de la guerre. De ma guerre. Ressemble d'une façon égale. J'ai grand besoin de toi. Pourquoi est-ce que je le ferai? Parce que Brad essaie de reprendre les garçons. Bienvenue au club. Brad a essayé d'avoir la garde d'Amy? Pendant un temps. Juste pour me rendre la vie un peu plus dure. Et puis il a laissé tomber. Il n'a jamais vraiment voulu d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une fille. Il me disait que tu étais une mauvaise mère. Il me disait aussi que tu faisais l'amour à d'autres hommes. Il disait que tu étais une racoleuse. Naturellement, tu le croyais. Oui. Pourquoi? Tout le monde a confiance en Brad. Pourtant, tu étais ma seule amie, toi. Malgré ça, tu m'as volé mon mari. Et à toi, qu'est-ce qu'il a dit en parlant de ces deux premières femmes? Les mêmes horreurs qu'il m'a dites en parlant de toi. Laurine, nous avons subi les mêmes choses toutes les deux. Je crois que je n'arriverai jamais à te pardonner. Ne me pardonne pas. Contente-toi de témoigner et raconte au juge tous les mensonges qu'il a osé faire. Fais-le pour le mal que tu as enduré, pour ce qu'il nous a fait à nous et à notre amitié. Il est hors de question que je lui abandonne la garde de mes trois enfants. Aide-moi à lui barrer le chemin. Je vais y penser. Allô? Allô, je suis bien chez Lauriane. Je sais qu'il est très tôt, mais je voulais vous parler avant que vous ne partiez au travail. Qui est à l'appareil? Est-ce que vous avez épousé Brad Cunningham juste après votre scolarité et avez-vous une fille depuis Kate? Mais qui êtes-vous?
Je m'appelle Cheryl Keaton. Et Brad, je suis la quatrième femme de Brad. Et j'ai besoin de vous. Quel genre d'aide exactement? Est-ce que Brad a déjà abusé de son pouvoir comme il a osé le faire avec moi et avec mes garçons? Il me battait. Un jour, il m'a attrapé par le bras et m'a écrasé la tête contre un mur. Sexuellement, il faisait ce qu'il voulait. Je suis désolée. Lors d'une soirée, il m'a brutalement fait sortir. Il faisait noir. Il pleuvait. Il m'a conduite sur une falaise. Et il m'a laissée sur le bord. Il croyait que je finirais par tomber dans le vide. Ce qui l'aurait innocenté. Vous me dites que vivre avec Brad, c'est dur. Je n'en suis pas autrement étonnée. Brad était déjà un problème avant sa venue au monde. C'est Jessie à 3 mois. Et lui, c'est Michael à 2 mois. Brad ne voulait pas que je vienne voir ses enfants. Il aurait eu une crise cardiaque si je les avais emmenés voir mes parents sans avoir son approbation. Il me manque énormément. Vous avez témoigné pour Laurie Anne au premier divorce de Brad. Pourquoi? Parce qu'elle jouait son rôle de parent bien mieux que Brad. Qu'est-il arrivé entre vous et Brad? Brad et son père m'ont offert une voiture. Ils m'ont conseillé de prendre une petite semaine de congé pour aller voir ma sœur en Californie. Quand je suis rentrée, tous mes meubles avaient disparu. Il ne restait plus rien. Qu'en ont-ils fait? Ils les ont simplement emportés chez la fille que fréquentait mon cher et tendre. Leur cadeau, cette fameuse voiture pour que j'aille chez ma sœur, était un piège. C'était juste pour m'éloigner d'eux. Mon propre fils a emmené mon époux chez sa maîtresse. Mais pour quelle raison? J'aurais cru que vous le sauriez maintenant. Brad déteste les femmes, comme son père. Pourquoi affirmiez-vous que Brad était un problème avant sa venue au monde? Que voulez-vous dire exactement? J'étais véritablement malheureuse quand je le portais. Et beaucoup plus malheureuse quand il est venu au monde. Et je peux dire que jamais je n'aurais attrapé de cancer si ma grossesse avait été interrompue. Il se conduisait si mal étant enfant que je le lui avais dit. Brad, tu as réussi à me rendre malade tout au long de mon existence, comme tu rends tout le monde malade autour de toi. J'avais raison, encore plus que je ne le croyais. Il suffit de vous regarder. C'est Cheryl. Elle a parlé aux membres de la famille. Elle veut la garde. Rassure-toi, elle ne te les enlèvera pas. Le juge te désignera comme étant le seul apte à les garder. Non, c'est une vraie Borgia, tu la connais pas. Elle est en rien différente de ma mère. Elle se fiche des enfants. Ce qu'elle cherche, c'est à atteindre le père. Et tu gagneras, tu verras. Et confiance. J'en suis pratiquement sûre. Je ne peux plus supporter tous ces mensonges. Une fois que tu auras fait ta déposition, tu te sentiras 1000 fois mieux. Depuis que je le connais, Brad éprouve un réel plaisir à se montrer cruel. Bon, écoute. Si on dînait ensemble la semaine prochaine, une fois que tout ça sera réglé, d'accord? La cruauté fait partie intégrante de sa façon de vivre. Cheryl, de qui est-ce que tu parles? De Brad! De sa personnalité. Il aime simplement faire du mal. Courage. Je t'adore, salut. Jour après jour, en rentrant chez nous, je retrouvais mes enfants grelottants et affamés, et leur mère était absente. Cheryl n'a montré d'intérêt que pour un seul aspect de sa vie, sa carrière. Elle est au premier rang des juristes, mais au dernier rang des mères. Cheryl a la réputation d'avoir des mœurs extrêmement légères.
De fait, en avril dernier, je l'ai personnellement vu accoudé au comptoir d'un bar de la zone industrielle, la main dans la main d'un autre homme. Enfin, j'ai découvert que Cheryl et sa mère avaient fait le projet de me donner la mort par empoisonnement. Pendant les 9 années de mon mariage avec Bradley Cunningham, j'ai souffert d'innombrables abus d'ordre sexuel, verbal et psychologique. Les incidents étaient si fréquents et si cruels que j'ai commencé un journal. C'est exact, Brad a raison, quand Brad sous-entend que j'étais une pute. Seulement j'étais la sienne. Il m'a obligée à m'habiller pour lui, me faisant faire des choses qu'aucune femme ne peut faire sans révolte. Mais j'aurais enduré tous ces sévices s'il n'avait pas maltraité nos 3 enfants. Graduellement et systématiquement, Brad a abusé de son pouvoir sur nos 3 garçons, physiquement et psychologiquement. Je rentrais souvent du travail en trouvant les 2 plus grands dans un coin, face au mur, en découvrant des marques nombreuses sur leur corps. Les sévices diaboliques que notre famille a subis par son seul désir sont légion. Il est possible qu'un jour je me guérisse de Bradley Cunningham, mais si les enfants lui sont confiés, Dieu seul sait quel avenir ils vont avoir. Brad ? J'ai fait aussi vite que j'ai... Brad ? Que s'est-il passé ? Cette putain a osé m'accuser. M'accuser, moi, d'abuser de mon pouvoir sur mes garçons. Sur mes garçons ! Calme-toi, Brad, tu te conduis comme un gosse. Ce sont mes enfants ! Mes fils à moi ! Ne fais pas le jeu de Cheryl ! Elle ne les aura jamais ! Cheryl, c'est Brad. Oui. Menteuse. Et puisque tu as menti, tu vas payer. À bientôt, Cheryl. Il a décidé de me tuer. Dis à sa maman, je m'en vais. Si tu t'en vas, dis sa maman. Maman, c'est l'heure. Je viens. On arrête. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Amusez-vous bien, les enfants. Au revoir. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi. Sois à l'heure dimanche, 19h précise. Mike, la porte était ouverte. Je t'ai apporté ton vin préféré. Tu es là? Quelqu'un s'occupe des invités? Salut, cowboy, c'est moi. J'avais quelques confidences à te faire. Ça doit pouvoir attendre une semaine. Sois gentil, bois pas tout, garde-moi un peu de ce nectar. Des ennuis avec la voiture. C'est toi, Brad? Où es-tu? Et viens prendre les gamins à la station service Sunset à 8h, sortie Bretelle B. C'est là où tu es maintenant? Brad.
inspecteur Gordon. Écoute ça, Cheryl est d'accord pour venir chercher les garçons à Madison. Quoi? Chez toi, Cheryl passe à ton appart? Ouais, elle est déjà en chemin. Je vais descendre avec les garçons, l'attendre et... ensuite, je te rejoins à l'hôpital. Au revoir. Ouais. Enfin, Brad, tu vas... Oui. Bonsoir, chérie. Marvin et moi, on parlait de toi. On est en train de préparer le dîner. On avait envie de t'entendre et de prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu, chérie? Maman, je voudrais que tu écoutes ça. Brad a téléphoné. Il a dit qu'il a des ennuis de voiture. Il veut que je vienne le retrouver à 8 heures à la station service Sunset. Maman, elle est fermée à cette heure-là, tu comprends? Bien, dans ce cas-là, reste chez toi. Tu n'es pas obligée d'y aller. Mais il faut que j'y aille. Mes enfants, ils sont... Je te supplie, chérie, écoute-moi. N'y va surtout pas. Mais maman... tu oublies les enfants. Je descends la laverie un petit moment et je remonte. D'accord, on t'attend. Tiens, descends. Allez, viens, on n'a pas le temps, je suis pressé. Allez, allez, viens. Descends là, descends. Attention. Allez, viens dans mes bras, on va se promener. Mm-hmm.